Bonjour à tous, c'est Dikran, vraiment très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la Game Boy. Alors certaines personnes disent qu'il faut dire le Game Boy, mais nous, on a toujours dit la Game Boy, alors on dit la Game Boy, même si le nom officiel est le Game Boy. Enfin bref, la Game Boy est peut-être de retour. Ce sont des rumeurs qui circulent en ce moment sur Internet. Et c'est vrai que dans les médias traditionnels, on n'évoque pas les rumeurs. Mais là, on n'est pas dans un média traditionnel. C'est ça la force d'Internet, c'est ça la force de YouTube. On est sur YouTube, donc on va y aller, on évoque ces fameuses rumeurs. C'est un brevet qui a été déposé récemment par Nintendo. Au mois de septembre, c'était le 15 septembre, c'est un robot qui publie tout ce qui a été déposé comme brevet. Il publie ça automatiquement et ce robot a publié sur Twitter une info comme quoi Nintendo serait en train de préparer une version mini de la Game Boy, la Game Boy Classic Edition, la Game Boy Classic Mini. Est-ce que cette version miniature de la Game Boy va sortir? C'est la grande question qu'on se pose, puisque cet été c'était la Nintendo 64 qui avait été brevetée par Nintendo, et là forcément les rumeurs avaient affolé la toile, avait affolé Internet, puisque on se disait eh ben voilà, c'est la prochaine classique édition, la prochaine console de Nintendo sera la Nintendo 64. Eh ben non, peut-être que ce sera la Game Boy. Alors laquelle des deux va sortir en premier? Est-ce que ce sera la N64 mini ou la Game Boy Mini? Vous me dites ça dans les commentaires. À votre avis, la N64 d'abord ou la Game Boy Mini en premier? On sait pas, la question est ouverte, le suspense est à son comble. Quels sont les jeux que vous avez envie de voir sur la Game Boy Mini? Moi, de mon côté, il y a deux valeurs sûres. Absolument, il faut que ces deux jeux y soient. C'est Super Mario Land et Tetris. Et d'ailleurs, moi j'ai deux Game Boy. J'ai ma Game Boy originale de l'époque. Elle est là et j'en ai dégoté une plutôt neuve, hein. Ouais, elle c'est totalement neuve. Et c'est vrai que c'est difficile hein, de... C'est vrai que c'est difficile de dégoter des Game Boy neuves, mais voilà, j'avais réussi à en dégoter une entièrement neuve. Donc ça, c'est ma Game Boy de l'époque, et ça, c'est la Game Boy neuve. On voit que la Game Boy de l'époque a un petit peu subi. En attendant, eh ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une petite partie de Tetris sur la Game Boy. Et d'ici là, bah, donc j'attends vos commentaires. Vous me dites quels sont les jeux que vous avez envie de voir sur la Game Boy Mini. J'attends vos retours et abonnez-vous, puisqu'il y a du contenu frais tous les jours. Donc on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.